OK. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et comme prévu, nous sommes là ce soir. Et c'est vrai, on a accusé un petit retard, mais c'est indépendamment de notre volonté. Et voici les guerriers devant vous. Morla, si vous pouvez activer votre vidéo, ce serait mieux. Et voilà, peuple de Guinée, nous sommes là. Et je vais essayer de vous présenter les personnes qui vont faire le débat avec moi aujourd'hui, un débat si riche, si important. Et bien avant, je vais d'abord dire bonjour à Fassma Ba, la guerrière. Allô, bonjour mon frère Tidiane le Puissant. J'espère que tu vas bien. Ouais, à la Condéenne en Guinée et à la Joe Biden aux États-Unis. Alors, Merci. super. Merci. OK. Asilo King, Waraba, bonsoir. Bonsoir Tidiane, la puissance. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous nos abonnés. Et qu'Allah nous aide. Merci. Monsieur Foma Kanté, du jeune révolutionnaire. Bonsoir. Bonsoir, mon cher. J'espère que moi, je suis plus à présenter. Bien sûr. Et j'espère que vous allez bien. Et bonsoir à tous les abonnés qui nous suivent régulièrement. Merci. Et nous allons continuer. Big Soul, comment ça va? Oui, bonsoir, monsieur Tigan, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci. Et nous continuons toujours. L'enfant de Kania, Morla Silla, comment ça va? Oui, ça va, mais seulement ça me fait plaisir quand tu me dis avocat international de son Excellence. Hélas, Mamadou Seydou Diallo. OK, merci. L'avocat international. Un instant, un instant. OK, je m'excuse, hein, je réglais quelque chose là. Voilà, je continue et Paykoun Sarré, qui sera tout de suite avec nous, il est aussi annoncé. Voilà, il a juste accusé un petit retard et Paykoun Sarré, nous l'attendons et tout de suite, il sera parmi nous. Voilà, et comme je vous le disais, voici les membres qui doivent intervenir aujourd'hui, mais on a un invité spécial, un invité de grande taille. Il va essayer de nous lire une déclaration de toutes les fédérations de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les 14 fédérations de l'Amérique du Nord. Il est parmi nous. Il s'agit de M. Boacar Sidi Diallo. Rappelez que M. Boacar Sidi Diallo est le fédéral de Queens. C'est à New York. Voilà, c'est l'une des fédérations. Il y a quatre fédérations à New York et il est le fédéral de Queens. Il va essayer. Actuellement, celui qui coordonne toutes les fédérations de l'Amérique du Nord, c'est à tour de rôle. Maintenant, là, c'est lui qui coordonne. Et il va nous présenter la déclaration de toutes les fédérations en 1 minute ou en deux pour nous parler quelle est la décision de toutes ces fédérations par rapport et au positionnement, comment on appelle, par rapport à l'accompagnement d'ailleurs de la Soudan Diallo suite à tout ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il faut rappeler que M. Boacar Sidi Diallo n'est pas n'importe qui, c'est un jeune de talent qui a été premier de la République en 1999, sciences mathématiques à République de Guinée. Donc c'est pour vous dire que c'est un cerveau, c'est un jeune qui a sa tête sur ses épaules. M. Boacar Sidi, bonsoir. Ok, bonsoir Monsieur Tidiane, merci pour cette présentation. Je dis aussi bonsoir à tous nos amis blogueurs et blogueuses qui sont présents ici et qui ne sont pas présents ici. Et on est tous des Guinéens, on est là pour en parler de la Guinée, on est tous soucieux de ce qui se passe chez nous. C'est pour cela que nous sommes ici. Et Monsieur Tidjane, j'aimerais d'abord vous remercier et vous féliciter du fait d'avoir eu l'idée et l'initiative d'organiser cette rencontre sur ces différentes plateformes guinéennes. J'aimerais aussi remercier et féliciter tous les blogueurs ici. Et, en fait, vous faites un travail très gigantesque et très noble
pour la Guinée. Et ce n'est pas facile d'être blogueur, surtout si vous êtes un blogueur guinéen, là où la dictature s'épanouit, là où la presse, l'opinion publique et la presse, l'opinion politique des jeunes et des autres est bafouée, là où la presse aussi est anéantie, là où on emprisonne les journalistes et les blogueurs, où on chasse les blogueurs. Donc ce n'est pas facile, vous faites un travail noble, donc vous êtes à saluer, à féliciter. Donc ça, c'est, on voit ces pratiques dans des pays socialistes comme des pays communistes comme la Corée du Nord. Donc on n'aimerait pas que la Guinée continue dans ce sens. Donc je vous félicite, je vous exhorte à continuer ce travail et pour défendre la démocratie en Guinée sans écart de langage. Merci. Ça, c'était une parenthèse. Et en fait, maintenant, je suis ici pour lire la déclaration faite au sein de la coordination de l'IFTG de l'Amérique du Nord. Il y a en son sein 14 fédérations. On a relancé les activités de toutes les fédérations ici. Et on a eu à discuter lors de la conférence. On a dit qu'il faut faire une motion de soutien. Et c'est dans ce sens qu'on a fait une déclaration commune signée par toutes les fédérations de l'Amérique du Nord. Donc, je m'en vais vous lire la déclaration qui est déjà publique, que le président, président élu de la République de Guinée, il a déjà reçu la lettre. Donc, la lettre, elle est publique maintenant. Déclaration. Motion de confiance de la coordination des fédérations de l'IFTG de l'Amérique du Nord au président élu de la République de Guinée, c'est Oudalin Diallo. La coordination des 14 fédérations de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, de l'Amérique du Nord, au nom des militants, sympathisants et responsables de leurs fédérations respectives, vient par la présente déclaration exprimer son soutien indéfectible au président élu de la Guinée et à la direction nationale du parti. Nous réitérons notre totale confiance au leadership du président élu de la Guinée, notre ferme détermination de rester fidèle aux idéaux du parti pour la justice, l'égalité et la solidarité pour tous les Guinéens. Actuellement, la Guinée est en train de traverser des moments difficiles par la simple volonté d'un seul homme qui s'entête à mourir au pouvoir. En plus de ces difficultés communes aux Guinéens, notre parti et ses alliés sont victimes depuis des mois d'un véritable acharnement et une terreur de la part du régime illégitime de Conakry. Entre autres, le harcèlement judiciaire continue contre les cadres de l'IFDG, de l'ANAD, les militants et sympathisants et de nombreux leaders d'opinion arrêtés et détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines, suivis des cas de mort en prison. L'assassinat de plus de 51 citoyens partisans de l'IFDG et de l'ANAD sans aucune justice, comme ce fut toujours le cas. La fermeture illégale des bureaux du président du parti et du siège de l'IFDG. Les raisons de toutes ces exactions et injustices visent à faire taire l'IFDG, disperser ses alliés au sein de la grande coalition de l'ANAD et à nous faire renoncer à notre victoire. Rien de cela n'arrivera, car nous maintiendrons le cap avec la ferme conviction qu'il n'y aura jamais de recul dans notre combat pour la justice, l'égalité et le développement pour tous les Guinéens. Par ailleurs, nous inclinons pieusement devant la mémoire de tous ceux qui ont payé de leur vie dans cette lutte que nous menons sous le leadership du président élu et prions pour le repos de leur âme. Nos pensées vont vers ceux qui sont injustement privés de leur liberté et prions pour la santé individuelle de tout un chacun. Nous condamnons la détention de nos militants et responsables et exigeons leur libération immédiate. Nous, responsables de l'IFDG,
de l'Amérique du Nord, réaffirmons sans équivoque notre détermination à continuer ce combat pour l'instauration en Guinée d'une démocratie et d'un état de droit. Vive le président élu de la République de Guinée, Seydou Alain Diallo. Vive l'IFDG et l'ANAD. Vive la République de Guinée. La coordination des 14 fédérations signataires de cette déclaration de l'IFDG de l'Amérique du Nord sont Atlanta, Boston, Brooklyn, Bronx, Chicago, Indiana, Manhattan, Memphis, Montréal, Canada, Ohio, Queens, Toronto, Canada, Vallée de Delaware, Washington, D.C. Pas de recul, je vous remercie. Merci, merci, merci infiniment, monsieur le fédéral de Queens et l'actuel coordinateur de toutes les fédérations de l'Amérique du Nord. Merci et surtout et à bientôt. Merci pour cette déclaration. Merci et je vous salue et je vous remercie. Bravo et chapeau à vous. Merci, merci. Le combat merci beaucoup. Okay. Merci, merci à monsieur le fédéral. Et voilà, nous avons maintenant Pai Koussare qui est parmi nous. Pai Koussare, bonsoir. Voilà, bonsoir, vous me recevez bien? Oui, oui, le King, on te reçoit. Mais quand je dis King, il y a un autre King. Hein? Ok, merci. Et voilà, c'était la déclaration du jeune fédéral de Queens, M. Boakarsi Diallo. Et voilà, maintenant nous allons commencer le véritable débat avec les guerriers qui sont parmi nous ici. Voilà, et puis on va être bref pour gérer le temps. Je vais commencer par Fassouma. Fassouma, tu es là? Oui, je suis là. Ok, voilà, vous avez suivi la déclaration de M. Boakarsi Di. Et aujourd'hui, la question est de savoir qu'est-ce que les militants de l'IFDZ doivent exactement faire pour continuer à soutenir ce combat noble? Parce que certains ont l'impression que l'IFDZ veut tomber ou que les gens veulent se désolidariser de Seydou Alain Diallo, oubliant que la politique, comme aimait le dire M. Fama, c'est la constance. Bonsoir à tout le monde. Je vais pas me présenter pour toutes les personnes qui nous regardent. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis Fassouma Ba du Soleil de la Liberté. Bon, ce soir, on est là pour un débat dont c'était prévu depuis quelques jours. Et nous venons toutes et tous d'écouter la déclaration de notre frère Boubacar, un responsable de l'IFDZ depuis les États-Unis. Et il nous a lu la lettre qu'ils ont faite ensemble. Et ce n'est pas lui seul, c'est toutes les coordinations de l'IFDZ de l'Amérique du Nord. Donc, par rapport à la question que M. Tidiane vient de me poser, d'abord, je veux m'adresser à ces Guinéennes, à toutes ces Guinéennes qui pensent aujourd'hui que l'IFDZ est faible. Moi, je dirais tout simplement que c'est des Guinéens qui n'ont pas encore compris le système de Alpha Condé. Parce qu'aujourd'hui, avant aujourd'hui, il existait beaucoup de partis politiques en Guinée, mais si aujourd'hui on entend parler d'un parti politique, c'est seul l'IFDZ. Pourquoi cela? C'est parce que l'IFDZ, les militants de l'IFDZ, quand je dis bien militants, c'est les militants, réellement les militants. Et son excellent monsieur Seydou Alain Diallo ont pu se relever. C'est seul ce parti qui a pu aujourd'hui empêcher Alpha Condé de vendre la Guinée, plus même qu'il a vendu la Guinée. Donc, pour ces personnes qui pensent et qui veulent aujourd'hui se retirer de l'IFDZ, la porte est grandement ouverte pour toute personne qui veut aujourd'hui se retirer. C'est que aussi, nous, activistes, nous militants, nous, blogueurs, qui sont là et qui veulent qu'il y ait une instauration, l'instauration de cette démocratie, de cette liberté dont aujourd'hui le peuple de Guinée a besoin, nous sommes là et nous allons être là. Et cela jusqu'à la victoire finale. Et quand je dis blogueur, je ne m'adresse pas à X ni à Z, mais je m'adresse surtout aux blogueurs qui aujourd'hui se soucient pour la liberté de tout un peuple, parce que nous savons toutes et tous qu'aujourd'hui, tous les Guinéens sont emprisonnés, que tu sois en Guinée, que tu sois à l'extérieur ou à l'intérieur. Et nous tous ensemble, on dit non à la violence et non à cette stigmatisation dont le peuple fait face.
Et nous soutenons une fois de plus l'IFTZ et son excellent M. Selouda Lenchan. Merci beaucoup, Fassouma. Merci pour cette brillante sortie. Et Asilo King, oui, nous t'écoutons. Et qu'en penses-tu par rapport à cette situation qui se déroule chez nous suite à cette discrimination ou ségrégation des grandes parties de la Guinée qui n'ont autre que l'IFDZ de la Ceuta Lengialo? Oui, encore une fois, bonsoir à tous. Bon, moi, je peux dire seulement que voilà, de serrer les coudes. Parce que moi, je le dis toujours, il n'y a pas plus tard que avant-hier ou hier, j'ai encore rappelé les gens à ce qu'on reste derrière notre président. C'est lui qui a réellement gagné. On nous triche, on nous impose la loi du plus fort. Il faut être là, il faut se dire que voilà, rien ne demeure, tout va passer. C'est ce qu'on dit à nos militants et sympathisants. Ceux qui pensent que Elhadji Mamadou Selouda Lenghialo ne sera jamais président, c'est des personnes qui sont fous parce qu'ils ne sont pas Dieu, comme je l'ai dit. C'est des personnes qui n'ont pas été aux côtés de Dieu pour écrire le destin de la Selouda Lenghialo. Donc, la politique, c'est la constance, comme on le disait tantôt ici avec Fama. Et surtout, surtout, il faut rester derrière son président. Notre président, il a commencé la politique il y a seulement 13 ans, en 2008. C'est après la mort du feu général Lansana Ponteku, là, c'est l'Oudalé. Il est devenu opposant, il a créé son parti politique, c'est-à-dire il est devenu président de l'UFDG après la mort du fait général Lansana Conté. Il y a juste 13 ans de cela. Il y a des partis politiques ici en Guinée qui datent de 20 ans, qui datent de 30 ans, qui datent de 40 ans, comme ceux qui sont là aujourd'hui. Nous qui n'avons même pas fait 20 ans là, on veut se décourager. Je veux que ce que la fédération, les fédérations de l'Amérique du Nord ont fait, je veux que les autres fédérations d'Europe et d'Asie suivent pour montrer qu'on ne peut pas abandonner notre président. La lutte que nous sommes en train de faire, c'est le seul grand parti aujourd'hui qui existe en Guinée. Et tout leur espoir aujourd'hui, c'est-à-dire tout leur désir aujourd'hui, ce régime satanique, c'est d'éteindre l'UFDG. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Si toi, tu qui me regardes là, tu es de UFDG depuis 20 ans, depuis 13 ans là, tu veux te décourager maintenant là, mon frère, ma soeur, nous qui viennent d'arriver, il faut prendre des exemples sur nous. Constance, on va rester constant. C'est pour notre pays. C'est pour le bien de notre pays. C'est pour le bien de nos papas. C'est pour le bien de nos mamans. C'est pour le bien de nos futurs enfants, c'est-à-dire le futur de la Guinée, c'est les enfants demain. Donc, pour l'amour de Dieu, on le dit et redit, excusez-moi, je suis un peu fatigué, sinon, vous savez, j'ai l'habitude de parler chaud là. Donc, du coup, il faut qu'on serre les coudes. Je veux aussi que nos frères qui sont là, nos amis blogueurs, qui sont des sympathisants de notre parti, comme Big Soul. J'aime beaucoup Big Soul et comme Fama, j'aime aussi beaucoup Fama. Je veux que vous rejoigniez le parti pour qu'on continue le combat et puis ça va encore nous motiver de plus. Parce que voilà, dernièrement, beaucoup de gens, on s'est tués parce que moi, j'étais en Guinée, je ne pouvais plus parler parce que j'avais des menaces par-ci, par-là. On me cherchait de gauche à droite. Donc, j'ai vu que Big Soul était actif. J'ai vu que Fama est toujours actif. Donc, et je profite de cela. Tidiane, prochainement, dans nos réunions, qu'on invite la dame Marie Sissoko. Elle est bien, elle est très bien. Et puis, voilà, franchement. Oui, OK. Djibril, je note bien. Merci beaucoup pour cette brillante sortie. Voilà. Et beaucoup m'ont parlé de Marie Sissoko, la dame. Voilà.
Mais et de Guido Fulbe aussi. Guido Fulbe aussi. Oui, oui, ils viendront. Ils viendront. Il y a Mess Barry et tant d'autres. On va organiser une autre séance qui ne sera pas la même, en fait. Madame, la dame, beaucoup de personnes m'ont interpellé, parce qu'il faut, aussi le dire ici clairement. Je l'ai contactée sur WhatsApp. Il y a longtemps, je l'ai contactée, mais des fois, elle ne répond pas à temps. Je ne sais pas si elle ne voit pas ou quoi. Même hier, je l'ai contactée pour savoir si je pouvais la rajouter là, mais... Voilà, il faut comprendre. Des fois, ce n'est pas facile, quoi, au fait. Mais on va toujours comprendre ça après. Monsieur Foma Kanté, voilà. Et aujourd'hui, nous voyons, c'est nous en Guinée, cette ségrégation. On arrête les gens. Il y a nos hommes politiques qui sont en prison. Et je vais parler des leaders. Nous avons des militants emprisonnés. Il y a plus de 400 personnes emprisonnées par Alpha Condé. Seulement à l'horizon de cette élection du 18 octobre, plus de 50 jeunes tués par les milices d'Alpha Condé. Parce qu'il faut préciser pour ceux qui ne savaient pas, Alpha a recruté plus de 1000 personnes entre mois de septembre et mois d'octobre pour les incorporer au sein de la police. Et ce sont ces milices-là qu'ils ont déployés sur le terrain, les habillés en tenue policière, pour commettre vraiment ces bavures, cette borderie qui s'est passée lors de l'élection. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette intimidation? Quelle doit être réellement notre position face à ce tyran qui veut faire taire l'IFDZ, mais oubliant que l'IFDZ ne peut pas tomber comme ça? D'abord, je vais commencer par dire merci beaucoup pour l'initiative que vous avez déjà prise pour que nous soyons là aujourd'hui. Et nous devons aussi remercier Dieu pour la longévité qu'il nous donne de continuer ce combat. Et je pense que la plupart des gens qui nous suivent, voilà, on va faire la tautologie, ça sera la même chose qu'on dit tout le temps, mais c'est très bon, c'est très bon, c'est très important. Je vais d'abord commencer par dire ceci. Vous savez, on dit souvent qu'on ne voit pas naître un dictateur. On ne les voit s'élever qu'à l'ombre des lois. Personne n'a vu Alpha Condé dictateur naître. On a vu son esprit dictatorial qu'à l'ombre des lois guinéennes. Et tout le monde aujourd'hui sait que M. Alpha Condé est un sanguinaire, est un dictateur, est un tyran. Parce qu'il faut appeler le mouton par son nom, mouton. D'accord? Alors, on a vu tout à l'heure monsieur, ce jeune brillant qui nous a fait la belle lecture là, de fédération de l'IFDG de l'Amérique du Nord. Moi, je me dis que ça n'a pas d'importance. Parce que ce qu'il faut savoir, je dis souvent à mes abonnés que dans la lutte pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient. L'un qui limite l'autre et l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Nous sommes dans ce combat pour le progrès et nous sommes placés entre le conscient et l'inconscient. Mais il se trouve que ces deux entités-là sont en train de mener un combat féroce. OK? Le conscient veut gagner et l'inconscience veut gagner. D'accord? Et l'inconscience, c'est le RP, c'est le parti au pouvoir, hein? Il faut préciser. Non, aujourd'hui, tout le monde sait déjà, nous sommes au courant, tout le monde sait déjà, on n'a pas besoin de rappeler les gens de ces pratiques. Alors, ce que moi j'ai envie de dire, non seulement aux militants et sympathisants de l'UFDG, mais aussi au peuple de Guinée. Vous savez, aujourd'hui, il y a une réalité qui est la vérité de la République de Guinée. La réalité, c'est quoi? C'est la souffrance, c'est la pauvreté. La réalité, c'est quoi? C'est les tortures, c'est les intimidations. La réalité, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié au satanisme. Et on sait que M. Alpha Condé, c'est qu'aujourd'hui, tous les qualificatifs sont bons pour qualifier ce monsieur-là. Parce qu'à partir du moment où il est devenu le premier anticonformiste de la République de Guinée, donc pour moi, on ne peut pas parler de positif de ce monsieur-là. Parce que ce monsieur a marché sur le peuple de Guinée et il est en train de marcher sur le peuple de Guinée. On est d'accord? Je vais dire ceci aux militants de l'UFDG et au peuple de Guinée. Parce que quand on parle des militants de l'UFDG, il faut comprendre que tout le peuple, c'est-à-dire toute la partie du peuple qui est marginalisée par M. Alpha Condé, font partie de l'UFDG, même s'ils ne sont pas officiellement reconnus, mais dans leur cœur, ils font partie de l'UFDG. Il faut apprendre cela au peuple de Guinée. Parce que quand M. Seluda Diallo parle, okay, tout le monde s'identifie à ce monsieur-là. Quand il dégage les réalités de la Guinée, on dit oui, c'est vrai. Même si on ne le dit pas officiellement, mais à notre intérieur, c'est-à-dire dans le tréfonds de nous-mêmes,
on sait que ce qu'il dit, c'est la réalité de la République de Guinée. Donc, toute cette partie de la population guinéenne qui est aujourd'hui marginalisée, piétinée, ok, toute cette partie-là, ok, fait partie aujourd'hui de l'UFDG. Donc, quand on me dit que il y a des gens qui ne veulent pas que M. Sylvou Dalein soit président ou il y a des gens qui commencent à démissionner de l'UFDG, je me dis, mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Au fur et à mesure, les gens sont en train de démissionner de l'UFDG, c'est au fur et à mesure les gens sont en train d'entrer dans l'UFDG officiellement. Et officieusement, il y a des militants de l'UFDG qui sont plus militants que ceux qui se déclarent militants de l'UFDG. D'accord? Moi, je dis chaque fois que je ne suis pas militant de l'UFDG, mais je partage les idéaux de M. Sylvou Dalein. D'accord? Il peut être un père spirituel pour moi, c'est un père idéologique pour moi, parce qu'on peut avoir un enfant biologique et un enfant aussi idéologique. D'accord? Alors, moi, je peux, en quelque sorte, me considérer comme un enfant idéologique de M. Sylvou Dalein Diallo, parce que je vois qu'il est, il est dans la même lignée de celui que j'appelle mon mentor, qui est Ahmed Sékou Touré. Parce que quand il parle, je vois l'image de ce dernier en cette personne-là. Aujourd'hui, les gens disent non, l'UFDG est tombé. Je me dis, mais c'est faux, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous voulez au fait pour la Guinée? Et qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Alpha Condé, il a tout fait en 2010 pour éliminer l'UFDG. Alpha Condé a recruté des gens de tous bords pour salir l'UFDG et son président. Alpha Condé a tout fait pour sous-estimer l'UFDG. Alpha Condé a tout fait pour embourber l'UFDG. Il est passé par toutes les politiques possibles. On dit qu'Alpha Condé, c'est un très grand politicien, mais pour moi, c'est un nulard. Il ne connaît absolument rien de la politique. Parce que je me dis, si M. Alpha Condé était un très grand politicien comme on le traite aujourd'hui, je me dis, mais il y a longtemps, c'est le président en Guinée. Lansana Conté n'était pas politicien, mais il était au pouvoir, un simple militaire. Donc, Alpha Condé, qui est Sorbonnate, ok, ou bien Oxford, yeah, ok, je me dis, mais Alpha Condé, avec toute sa qualité qu'on le... avec tout ce qu'on reconnaît de lui, homme politique, mais il serait déjà président depuis des années. Ouais. Alpha Condé, c'est un faible. Ok, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui profite. Alors, je terminais par dire ceci. Ok, rapidement, M. Foma. C'est que les militants de l'UFDG, il faut comprendre que les militants du RPG Arc-en-Ciel ne se cachent pas pour supporter leur président. Ils n'ont pas honte de supporter le troisième mandat. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas complexés. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez complexés de supporter votre président. Enlevez le complexe. Tapez votre poitrine haut et fort. Dites que nous supportons M. Sylvou Dalein Diallo. Nous sommes militants à vie de l'UFDG et nous croyons aux idéaux de l'UFDG. Nous ne sommes pas là parce que voilà, c'est un mouvement d'ensemble. Non, nous sommes là parce que nous partageons les idéaux de l'UFDG. Donc, sur ce, pour ne pas monopoliser l'antenne, je vais te laisser naturellement continuer avec les autres. Yeah, merci beaucoup, comme on est un peu nombreux. Merci, M. Foma, pour cette brillante intervention. Oui, Bixoul. Et après, l'enfant de Kania se prépare. Ensuite, Paikou Sare. Oui, merci, merci. Merci d'abord de m'avoir invité à ce débat. Je salue tout le monde. Au fait, là, M. Fama a touché des points qui sont vraiment essentiels. C'est parce que, bon, je vais intervenir, mais je partage beaucoup de points de tout ce qu'il a dit. D'abord, c'est vrai que moi, je ne suis pas un militant de l'UFDG, je le dis tout le temps, parce que je n'ai pas la carte membre. Parce qu'on n'est pas militant, on ne se lève pas comme ça pour dire que bon, moi, je suis un militant d'un parti. Les gens ne savent pas c'est quoi être un militant d'un parti. C'est d'avoir la carte, là, tu as raison. Il faut... Voilà. Donc, voilà, c'est vrai que moi, je ne suis pas un militant confirmé de l'UFDG, mais concernant la Guinée, quand on regarde la situation de la Guinée, bon, le parti de l'alternance, l'alternance que nous on cherche, que nous on recherche, que nous on veut, le parti de la vérité, tout le monde sait que c'est l'UFDG. Parce que là, quand on dit de choisir, peut-être, bon, c'est comme l'a dit M. Foma, c'est entre le bien et puis le mal. Et on sait c'est quoi le mal. C'est ce parti même qui est au pouvoir, qui a commis toutes ces exactions, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai écouté la déclaration du monsieur des États-Unis, du fédéral des États-Unis, pour réaffirmer leur soutien à l'UFDG, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sortent dans l'UFDG, qui démissionnent, qui supportent le parti.
Mais comme l'a dit M. Foma, je pense que ce n'était même pas trop nécessaire parce que ça me rappelle une chose, ce qui s'est passé avec Dadis. Quand Dadis, quand il y a eu une rumeur de coup d'État, il a entendu qu'il y a des militaires qui avaient tenté de faire un coup d'État au niveau du camp Al-Fayaya. Le lendemain, il a fait le tour de tous les camps pour que les militaires réaffirment, c'est-à-dire qu'ils sont avec lui. Mais malgré tout, il avait fini par recevoir une balle. Donc, je pense que quand on soutient l'IFDG, on doit être constant, comme l'a dit M. Fama aussi. On doit être vraiment constant, on doit savoir ce qu'on veut. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que les gens adhèrent dans les partis par conviction, parce qu'ils sont convaincus, ou bien ils adhèrent parce qu'ils veulent avoir un poste à travers ce parti? C'est la question qu'on doit se poser. Et malheureusement, en Guinée, la plupart des gens qui sont, bon, soit, s'ils savent qu'ils n'ont pas leur intérêt dans l'UFDG, c'est-à-dire intérêt matériel, ils ne gagnent pas de l'argent à travers l'UFDG, ils préfèrent claquer la porte pour aller du côté du RPG à la mouvance. Et on a observé ces genres de scènes. Par exemple, j'ai observé la dernière personne, le conseiller de l'un des conseillers de la cellule qui a démissionné, je l'ai écouté. Il dit qu'il a démissionné parce que, bon, c'est pour aller travailler, parce qu'il a des charges. Il dit, quelle qu'en soit l'issue des élections de 2020, lui, il allait travailler, il avait déjà pris sa décision. Et ce n'est pas vrai. C'est totalement pas vrai. Au fait, moi, je pense qu'il se dit qu'il ne pourra pas être député, il ne pourra pas occuper un poste. Donc, il est parti pour voir ailleurs. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui montre que les gens ne soutiennent pas par conviction. Les gens ne soutiennent pas par conviction. Pour soutenir, il faut soutenir avec conviction. Parce que, en tout cas, c'est avec l'UFDG, peut-être qu'on espère avoir une démocratie en Guinée. Avec le RPG, on voit se terre à terre ce qui se passe dans le pays, des prisonniers politiques, des gens qui sont assassinés. On voit actuellement les déguerpissements et tout, ils détruisent les maisons des gens n'importe comment, c'est-à-dire sans prévenir, sans dédommager des gens qui ont acheté des terrains, qui ont des papiers tout et tout. Et on voit ce qui se passe. Ça se répercute partout parce que le fait de détruire les maisons là où les gens se cherchent, des gens qui ont cherché l'argent ailleurs, qui sont allés investir, ça a été détruit, donc ils sont obligés de fuir. Ils fuient la Guinée, ils viennent ici. Maintenant, on vient les chercher ici. Il y a des gens qui sont cherchés au niveau de l'Allemagne pour les rapatrier. Donc, c'est pour vous dire qu'en tout cas, ce n'est pas avec le RPG qu'on pourra s'en sortir en Guinée. Okay. Pour ça, bon, moi, d'une manière ou d'une autre, je soutiens l'UFDG, en tout cas dans sa démarche. Ok. Merci, je vais me limiter là pour le moment. Merci, merci Bixoul. Et surtout, il y a une question bonus, hein. Et je souhaiterais savoir tout ce dont vous penserez par rapport à cette question si importante. Merci. Okay. Et oui, ça viendra tout de suite. Morla Silla, l'enfant de Kania, et lui, en tant qu'il n'ajoute pas le défenseur, il n'est pas content parce que c'est un voyant défenseur de la Cellule d'Alain Diallo. Nous vous écoutons. Voilà, merci Monsieur Tidiane, merci à tous ces blogueurs qui sont là et merci à Madame Fatma Taba. Voilà, ça fait plaisir d'entendre une voix féminine ici parmi nous. Donc voilà, nous encourageons toutes les femmes de faire pareil, d'être beaucoup plus engagées pour défendre l'intérêt des Guinéens. Voilà, concernant la déclaration des fédérations de l'IFDG de l'Amérique du Nord, voilà, j'étais tout de suite avec monsieur le coordinateur des fédérations de l'IFDG de l'Amérique du Nord. En tout cas, c'est très, très encourageant et je demande à tous les militants de l'IFDG, je dis bien tous les militants de l'IFDG, parce que pour être militant de l'IFDG, il y a une différence aussi, parce que c'est récemment qu'on a compris aussi, pour être militant de l'IFDG, il y a une différence. Même si tu arrives à faire des années et des années au sein de l'IFDG, finalement tu te dis parce que voilà, tu dois avoir beaucoup d'argent, on a tous des familles, hein, franchement. On a les gens qui ont été tués, les gens qui ont été assassinés. Nous avons plus de combien de morts aujourd'hui, enterrés à Bambetou, enterrés partout à travers le pays. Donc, venir directement de dire, ouais, comme on n'a pas, voilà, Selou n'a pas directement pris le pouvoir, voilà, je vais voir ailleurs où je vais gagner mon gagne-pain en un mot. Donc, ça, ce n'est pas être militant de l'IFDG. Donc, c'est dans les moments très, très difficiles qu'on pourra réellement discerner, savoir réellement qui est réellement ton vrai compagnon.
Ça aussi, c'est très important. Donc, nous demandons à tous les militants de l'IFDG d'être beaucoup plus motivés, déterminés. Moi, je l'ai dit il y a longtemps dans nos plateformes de communication, des WhatsApp et Telegram, j'ai dit à tous les responsables de l'IFDG, toutes les fédérations de l'IFDG, l'activité politique du parti. Il ne s'agit pas réellement, il ne s'agit pas de voir que la direction du parti est fermée. Oh, on a perdu. Mais, la permanence est fermée et on n'arrive pas. Votre réseau, M. Morlaï, c'est là. Allô? Oui, je vous reçois. Voilà, la connexion était si faible là. Oui? C'est bon maintenant? Oui, on y va, vite fait. Voilà, j'ai dit toutes les fédérations de l'IFDG doivent reprendre les activités du parti. Donc, les activités politiques, les assemblées générales, les conseils politiques. Donc, pour sensibiliser les militants, parce que même si nous venons ici, certes, nous sommes très, très suivis sur les réseaux sociaux, mais la base d'abord. Donc, c'est très important que ces fédérations manifestent pour apporter leur soutien indéfectible au président élu par les Guinéens de Conakry. Donc, et là, c'est Loudalen Diallo. Donc, c'est très important que nous continuons sur ce sens et continuons de lutter et disons qu'il faut ce Loudalen Diallo. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et je dis merci à ces fédérations qui ont pensé à ça, aux fédérations de l'IFDG de Conakry, aux différentes fédérations de l'IFDG de l'Afrique et donc voilà, de l'Amérique du Nord. Nous attendons également éventuellement une déclaration des fédérations de l'IFDG de l'Europe. En oui. Tout cas, continuons le combat. Ok, merci beaucoup. Nous sommes convaincus que celles aussi de l'Europe feront autant. Voilà, parce qu'il faut la solidarité. Oui, nous allons maintenant passer à Paikoun Sarré. Voilà, Paikoun Sarré, tu es là? Voilà, il est où, il est là? Il est là. Fédération du Bouy, parce que Bouy n'a aussi coup de IFDZ Maï, fi dun don fi yobe andu awa parti politique ko benta kon constance misino wodi hunde wotere ko mi yidi kalfa konne ko jamno ko won ko jabi ko wonde constant c'est à dire woni ka position makko wendi ko mamilamo ko wadi kon fo malgré hande fo no hibbimo parce que ko mi jano kon wona don o yaltiti tan himbe ben dugula yaga awa misal bene on ko pay ko sare gal paygal la bangal nantungal inde ko mi andin tinta jama on woko mayo bubi o wala wadi glass a tanora ukko donc mayde goto il tata jama on kono non ko mi andin tinta taw kono gon kala ko on do landarirde ara la salmina be tawabe do fo mi nani porto je de yewtama do modja o ya foto mi kadi mi yewta eno mi nani tayno mi famirta e hedo tobe lankay no famirta ko ati kon selu dalen be jokki be yilti selu dalen ko lando sabuna olami ke depuis dubi hewudi ginembe ben famali bandi tinna kon won gundarude do fondo do so mi jitti e point ji di mi sulignata do depuis kanselu dalegita premier ministre adiande leedi din ko bawre yari bandi tinna kadi tobere wotere ka CNDD fala no attaque gol selu dalen benni be wadana mo coup d'etat be yawno ka makko tew nyama to buino andi kon non tew woniri kono ay yaltama be andi kon to wayno dirano ka 20 ka 28 septembre donc ila nandi non de dadi sudo accude ta ko yati tinta kadi jama surtout pour le foot ben ko footboto do toni jude wandu lugga ko mardo fala wal da patambel di fino soppira ile mari ngesa mbareme tengene ngine mfu simenni gine wana fami wobe mono inna mi ala akil kono aisi ko en fami en jokkondira ay be ni wosi tula nati ko tula manya buri hulbinade ko dina taybi aka hore singaka donc mi welta no federal long Boubacar Sidi Diallo si je me trompe pas a côté de Queens ko biddo gorko la ngandi imbe buino tongo mbe bawo IFDZ gayno be haju kono non be inni o wana nyande guri wal bare nete
ara isen lu dalem mo wonde soldat be bui e si sudu darna ma wobbe nati da e pade wobbe tambo pade kono no fi da darni sudu attay bere waka dambu galma ha si tay ko jamal ni budato donc comme il nata jamao alpha konde ko wawi e rewata pale se couture ya kono nata ta se couture ya si may de itali men men itay ara ko mi torto jamao fo IFDZ ko tugalal janal andile sair ki tugalal dina e tugal warata remplace de ara ko mi toroto kala nana ko ko mi yewtata e ko inete ko politique ko hunde lugunde kon woni o politique taw ko hauti ten jamfode donc wana hunde de andan dawre mak dina islam ko mi toroto jama si halda mo hauti te jamfe anka di de sara sara ma wujugol wori si ko si permanence ayda andi wujuda wujja si ananga ma nabe ran ka di wujja su ko bomborre wona no wodi ko alla landi tortoma sabuna be wi ko labi poi paingangal si yewti on nane si lagi ne fo wujji on wujjale ara wana on wi be kono ara kay on dadata donc sandari hande be wujja buino ka kasu wujju be buino ka yasi donc mi torto jamaa sa no di tirama ban noto sa no di tirama kadina noto hey andi kono woni alla yida ko ko wiete ko netre netre alla yida na kefero na jul alla yida donc alla yidi ko ya won band wona bandi naturel fo anda ko bandi gasa Allah ya fu ma bandi ji buina to ya aljanna julbe ba ko inni kon ko julbe ara na vre vre dun kadi buina to ya yi donc e der mun kon torto jama on e min an ginein mo inni wona na selu dale ara en wona ni alfa konde si on tigi wi wana do min yo fena netru wa wali wonte o aduna sabuna kadna ko pije didi ko mayo e kam ko batto ya biyo sare wali kamere tirani ware wa airie ayika donc terte o wata wonana bino wonana poti dun do wana yewtere nani are kom torto konungu sa wonana sellu dale gida wonani alpha konde eh wata wonde bu yande no interdise occasion lagine ko fi be wonana alpha konde ka donc mi jetta example guine be ben kay no do faamu dan no menen ko me wobe wolde bu e si me woni do bu fa et ay menen si men duddani de la banade donc hey obe inude buino ma apiti no inna e ko ma ne sutena ko to selu selu dalen dubi jol mo sutena dubi jen fi min mi yahi to hadi selu dalen no sutene e fi mi iwi to hada yo sutene e porto jangi porto re labunde be ni le destin den mi men e inevitable and awai kal de selu dalen fi da wadde video ji fi da ari ka parti IFDZ da jonda micro yawol da wai kal njalo no kakasu burno de pilier de honorable comme burno de honorable Ousmane Gawa comme burno Ousmane c'était un grand pilier c'est un pilier d'ailleurs on doit y aller kakaso a dit c'est nous d'aller nous continuer OK ah on a un réseau social de mama di konde ma di sans frontière il on to ka baba pa la dit c'est nous d'aller nous continuer ah ko guinée en haudi si on yoti ke nane yoti c'est nous d'aller de motta be inni nanu e fam wana goto kono non wonanu ndu e futi ndu wana goto ndogata no laba man no laba ni en e wona e bawo selu dale ngawo lamo ara ko mi toroto pullo futa yo itu sikke mo sikkitike sakki toto ko dun hebi pullo futa wala ni be dun e porto mo sikkitike sakki toto ko dun tampini pullo futa enen ka yawde wede sikkiti hein selu gagnota ko la il veut tout simplement dire toute personne qui doute sera toujours la dernière. Donc, il faut jamais douter de sur ton chemin. Il faut être donc à pour tampini bui et militant et sympathisant ka IFDZ et que comme ben ta kon bui no jangia kon wobbe si julni ka futuro suma e wobbe ta jeye donc comme torto jamao ko sellu dalen wadden président de la république si da hol bienvenue si a hola ya ka holi da donc en comme torto kala yahudo yalla hewtine on tigi jang kono yawbe ben fo se dort donc ara ko torto jama wata be jokuni seden alpha konde wi be mako kekwal be ngan ko kekwal nene mako kekwal babe mako kekwal anti tay ko ba wawda yahude ara meden hebi ma ara meden toroma yalla nabbe koto tijani ko mi yewtata fulbe fu e nano be al pula kuddi hadata hebu jawdi kono ande fere bonde no tampini gine ko darnata e saaji lantete hein mi ala ni ande mi ala na wunde wotere kombo buri udi premio o sodu notoje ko dogina wada concert di o ama o lummino ala ko geral o ya university alpha konde mi noddi mo mini hey awadi ko accaynuda o wi honde min alpha konde wanani ene gotuma awa o jeunesse guinéen
en doit wonde soude ko dun don mi fala andintinde mi jonna do example pourquoi j'ai pas parlé le cas du Sénégal ande mi hale on andi koto mayde ko wotere si mi hala ni on ande wana manti le chef d'état africain kala mo mi fala yidu de mi yida e makko parce que j'assume et je sais je suis responsable de mes actes mais guinée ko nyande kala accude viewgol en tawaka e dun do mi do tawa e dun ko den nyande en fo hettoto de OK ina me ben do won de soude en fo décider ko dégagegol alpha conde woni dum am kala won de landar de la nuro mo woni blogueur woni influenceur woni kala yawtinirta e kongol mu o yaxato no ko ni Allah wawiri min mi kapula merci merci beaucoup merci yarame welti ke fota pay ko sare ngal pay ngal la bangal donc bon nanginde dandi non den kafi ko sedata et puis acci ko e Boubacar Sidi et andi no hari nanda ko ni jangiri oui mais Boubacar Sidi a été premier de la république hein mathématiques en 1999 donc ko gando joni ba bala mon landa de hunde wotere sian fa ko den nyobe golludo jabe ko jabata no mi jaboto Joni Aray, merci Paykoun Sare, vraiment avec bonjour mo dana inde be yida la mo société jour mi yalta e société mapio e mo ya ande ko dobe fa djibu de programme non ko no heureusement wa wiarde donc ko ndo me yelno OK nous allons toucher le deuxième point et surtout le dernier aussi et voilà c'est par rapport à cette sortie de d'Alpha qui parle de gouverner autrement. Et voilà, au-delà, il dit aux Guinéens que gouverner autrement veut dire qu'il faut accepter la souffrance, qui va augmenter le prix du carburant à la fin du mois de carême. Il dit carême, je ne sais pas si il veut parler de ce carême des chrétiens ou s'il veut parler du mois saint de Ramadan qui doit commencer le 12 avril. Donc, c'est pour dire aux Guinéens, ceux qui ont soutenu Alpha, ils n'ont qu'à encore s'attendre. La Guinée sera pire que ce qui se passe maintenant là. Parce que c'est des apatrides qui nous dirigent, des incompétents. Et voilà. Oui, Fasma, tu as un mot par rapport à ça? Je donne juste deux minutes à chacun pour qu'on puisse clôturer. D'accord. En fait, par rapport à la sortie de Alpha Condé, de ce dictateur Alpha Condé, ça ne doit pas surprendre les Guinéennes. Surtout, nous qui sommes conscients. Quand je dis nous qui sommes conscients, nous qui voulons la paix et la justice en Guinée. Donc, si aujourd'hui Alpha Condé dit qu'après la fin du mois de carême, il va augmenter le prix du carburant, si aujourd'hui, la seule chose d'abord qu'Alpha Condé a eu comme souci, c'était comment accéder au pouvoir. L'objectif de Alpha Condé, d'ailleurs, il avait vendu la Guinée avant même d'être au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est au pouvoir, soutenu par un autre clan machiavélique comme lui, qu'il ne va pas aussi continuer d'accomplir ce qu'il voulait et surtout ce qu'il a signé avec ses collaborateurs. Donc, ce que je veux dire de ce point, je n'ai pas trop à dire tout ce que je sais. Parce qu'il faut au bougoto. Alpha Condé est pire qu'un fou, c'est un malade mental. Mais de ce côté, moi, je ne condamne pas trop Alpha Condé, comme je dis toujours dans mes débats. Je condamne ces personnes qui soutiennent un malade. Quand tu sais que quelqu'un est venu aussi fait, tu as pris ma yotik, il y a un fou qu'on fait tout même. Quand un fou te tape et que tu payes, toi-même, tu deviens un fou. Nous savons qu'aujourd'hui, Alpha Condé est malade. La première penses-tu pas que le problème, ce n'est pas Alpha quelque part? Parce que si tu vois, il fait tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'on a. Tu sais, frère, il va rester sans sur terre. C'est pour ça bien j'ai philosophé, j'ai donné un proverbe. Pourquoi je dis que ce n'est pas Alpha? Mais il n'y a toi, étant majeur, écoute bien. Moi, je peux te dire, saute du cinquième étage, tu sautes. Non, tu n'es pas fou pour sauter. C'est que c'est parce que tu as envie de sauter, tu sautes. Si aujourd'hui, les gens soutiennent Alpha Condé et qu'ils nous disent gouverner autrement, Alpha Condé, mais les Guinéens qui luttent pour l'instauration de la démocratie et de la justice dans une prison, dans des différentes cellules et assassinent certains. Et jusqu'aujourd'hui, il y a ces femmes-parents flanquées
devant leur téléphone ou qui sortent dans les télévisions ou dans les radios et racontent de bovards pour nous dire que gouverner autrement, c'est d'abord réaliser le rêve des Guinéens. Oui, réaliser quel rêve? Au fait, c'est pas Alpha Condé le plus fou, mais le plus malade. C'est ces personnes qui soutiennent un fanfaron. Parce qu'Alpha Condé lui-même, c'est un fanfaron, un dictateur qui vit au jour du lendemain dans des rêves. Il a tué les enfants de 3 ans. On doit rappeler ça à tout le temps. Quelqu'un qui a tué un enfant de 3 ans, assassiné des jeunes de 15 à 35 ans, tu peux me dire que ce n'est pas un malade. Alpha Condé n'est pas parfait. Hein. Je vous le dis, pendant qu'Alpha Condé dort, il ne fait que des cauchemars. Parce que tous les fantômes de toutes ces personnes qu'il a assassinées viendront la nuit et le réveiller. Donc moi, je vais inviter les Guinéennes, surtout quand je dis les Guinéens, c'est tout le peuple de Guinée, conscient, qui ne veulent pas vendre leur âme au diable. Parce qu'aujourd'hui, soutenir Alpha Condé, c'est soutenir un dictateur, un malade, un assassin, un criminel. Et si toi, tu soutiens un criminel, c'est que tu as vendu ton âme au diable. Oui? Ok. Merci la guerrière. Merci. Merci beaucoup. Pour conclure, j'invite le peuple de Guinée surtout de savoir ce que nous voulons et surtout de se lever ensemble, main dans la main, pour combattre cette injustice afin qu'il y ait la paix, l'harmonie. Parce qu'en tant qu'Alpha est là, n'attendez pas une Guinée de justice. C'est impossible. Litton pour traiter ces fous et surtout ce malade mental. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci vraiment la guerrière. Et voilà, nous continuons. Asie le King. Ah ben, gouverner autrement, c'est mensonge. Oui, mais il dit qu'il va augmenter le prix du carburant dès après le mois de... Mais ça, c'est petit. Alpha Condé ou Farama Yibiasi. C'est bien fait pour les Guinéens. C'est bien fait pour les Guinéens. Non, Alpha Condé, Mouna Fala Renébé, je leur ai dit, on les avait avertis. Oulé Nyonde. Pendant les campagnes, on les a dit ça. De suivre là, c'est lui, ils n'ont pas écouté. Venez à UFDG, ils n'ont pas écouté. Alpha Condé n'a qu'un seul moyen pour manipuler les Guinéens. Asie Loki, j'ai une question à ce niveau. Parce que, au fait, il y a une chose que je ne comprends pas. En réalité, les Guinéens ont voté pour ce Diallo, c'est clair. Mais là où les Guinéens ont été fautifs, là où les Guinéens ont été fautifs, c'est du fait qu'ils ont refusé au fait de protéger cette victoire-là. Quand on dit sortez, c'est seulement Ratoma et Lac seulement. Sinon, toute la Guinée a voté pour Selou. Parce que c'est des hypocrites, des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que si tu sais que réellement, toi, ce que tu veux pour toi-même, tu te lèves. Prenons exemple sur le peuple sénégalais. Ils sont sortis tous ensemble. Ils se sont battus tous ensemble. Nous, on se dit, il y a des hypocrites qui sont là-bas flanqués, qui se permettent de dire, c'est entre vous, Anao Tagui. Aujourd'hui, Alpha est en train de casser tous les coins et les points. Les artistes qui l'ont soutenu, aujourd'hui, c'était le cas de Oudi Premier. Il a perdu son studio aujourd'hui. Plus tous les pauvres. Obiri Nyurongwe Ramane. Mumbara Falaoube, Alpha Condé Noir Clan. Et Birim Fotip Nera. Et Birim Fotip Nera. Objectif Kirina Neira. Et la Guinéra Kobiriton. Et Arishi. Et Bini la Guinéra. Et Radi Mali. Anoué Nyenge. Anoué Nyenge. Anyon. Et Nyenge Nanga Soussou Nima. Alpha n'a pas. C'est-à-dire, il n'a pas un rêve pour les Guinéens. Afar Naram Manaki, Anafana Kelfine, juste pour dire que Foti Rafala a tout à imposer pour qu'il y ait un troisième mandat sur toi. Et Rafala en a Walifi. Est-ce que Itanoma y est cassé et mouillé préparé, remédé, risque ma dernière. Je n'ai jamais vu un président qui agit comme Alpha Condé. Comment tu peux casser des coins pendant que tu n'as pas préparé les coins pour les gens? Maintenant, tout le peuple de Guinée aujourd'hui, ce que vous êtes en train de subir, c'est ce que vous avez sémé. Parce que si on s'était tous levés ensemble pour faire déguerpir Alpha Condé et son clan, parce que pendant les élections, ils avaient peur. Ils avaient le feu derrière. C'est le peuple seulement qui restait pour mettre le turbo.
ils avaient le feu derrière. Il y en avait quelques-uns parmi eux qui avaient fait sortir leurs parents, leur famille du pays, parce qu'ils ne s'attendaient pas que s'ils allaient rester là-bas. Mais le peuple aujourd'hui récolte ce que ce peuple a semé. Birindoro, Birindundu, Birinavala, Anawotagi, Anawotagi. À cause de quoi? À cause d'une seule chose. Parce qu'il y a la haine. On dit que c'est le peuple. On ne veut pas que le peuple devienne président en Guinée. OK, vous ne voulez pas que le peuple devienne président en Guinée, car vous allez souffrir 10 000 fois. Parce que Alpha Condé, là, il n'a pas de pitié, il n'a pas de parents. Même sa maman, c'est une invention. Même sa maman, c'est une invention. Quelqu'un qui n'est pas guinéen, comment il va avoir pitié de vous? Quelqu'un qui n'a pas un enfant, comment il va avoir pitié de vous? Quelqu'un qui a passé toute sa vie, il s'est marié qu'à l'âge de 76 ans, comment lui, il va avoir pitié de vous? Quelqu'un qui s'est marié à 76 ans, parce qu'il s'est marié encore, pourquoi? Pour avoir le pouvoir. Comment lui, il va avoir pitié de vous? Hein? Il va faire pire que... C'est-à-dire, il va vous faire pire. Vous savez que je vous avais dit ici, pendant les campagnes, car si vous laissez Alpha Condé s'installer, que vous allez souffrir plus que les 10 années que vous avez passées, car prenez tous vos bagages, prenez tous vos bagages, déménagez dans les pays voisins. Nous, on a déménagé, hein, parce qu'on ne peut pas rester dans cette dictature que vous nous avez imposée. Nous, on a déménagé. Okay. Si vous êtes malin, suivez-nous, déménagez. Déménager. Mais on ne peut pas laisser notre pays dans les mains de ce. Non, parce que le peuple est hypocrite. Ils ne veulent pas se lever pour chercher Alpha Condé. Ça fait mal. Ok, merci. Merci, merci vraiment, King. Merci. Le peuple est hypocrite. Ok. Merci. Merci, merci le Big Boss. Ok, Mr. Fama. Mr. Fama, je viens à vous et je voudrais reposer autrement la question. Il faut d'abord préciser que le samedi passé, c'est-à-dire le samedi 6 mars 2021, il y a Mamadou Issoufou, qui est socialiste comme Alpha Condé, qui aime son pays, qui aime son peuple, qui a accepté de céder le pouvoir, qui a fait gagner l'alternance dans son pays. Et il a gagné le prix de Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, c'est un Soudanais qui vit en Angleterre. Et le prix, c'est 200 000 dollars par an jusqu'à la fin de sa vie. En tant qu'il vit, il va recevoir ce montant-là. 200 000 dollars par an. Mamadou Issoufou. Et a rappelé que dans toute l'Afrique, c'est le seul francophone qui a gagné ce prix-là. Seulement les anglophones. Pourquoi la dictature, c'est seulement dans les pays francophones, comme en Guinée, comme au Cameroun, comme au Tchad, etc. Qu'en dites-vous? Les autres sont allés, ils sont honorés et les alphas sont là, scotchés. Ils veulent mourir au pouvoir malgré leur incompétence. Et il va nous augmenter pour le prix du carburant. Merci, merci beaucoup, mon cher. Tu me dis que tu me poses la question autrement. Oui, ça c'est autrement. Ouais, tout est autrement dans ce pays. D'accord. Et tu viens de dire quelque chose de très important quand tu dis qu'Alpha est socialiste, ça me fait rire. Il faut dire qu'Alpha est hitlériste. Mm-hmm. OK? Il n'est pas socialiste, il est hitlériste. Un socialiste, c'est quoi? Grosso modo, un socialiste, c'est quelqu'un qui aime la société, qui respecte les principes de la société, qui aide la société, qui est soucieux de la vie de la société, la continuité, la bonne continuité, le développement de la société, l'aisance, la paix, le bonheur de la société. C'est ça, un socialiste. Mais quelqu'un qui tue la société, qui marche sur les principes de la société, mais ce n'est pas un socialiste. Lui, c'est un hitlériste. D'accord? C'est un sataniste. OK? Alors, quand tu parles des socialistes, il ne faut pas inscrire Alpha Condé. C'est vrai que le peuple de Guinée est un peuple socialiste, mais Alpha Condé, lui, il n'est pas socialiste, il est hitlériste. Il est venu avec cette doctrine en Guinée. Mon cher, je vais te dire quelque chose. On va passer 1000 heures sur ce débat. Je pense qu'on va se répéter chaque fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Alpha Condé dit que il va augmenter le carburant, il va augmenter le prix du carburant, tout ça. Moi, je me dis, Alpha Condé, il cherche juste à se remplir la poche. Vous savez, le malheur du peuple de Guinée, c'est d'avoir en son sein, OK, des élites qui n'ont aucune compétence, qui n'ont pas d'amour pour le peuple.
okay, qui n'ont aucune vision et qui ont montré déjà leurs limites en matière de gouvernance, en matière d'administration. Tu parles du cas de Youssoufou et consorts. Alpha ne s'inscrit pas dans cette logique. Alpha se dit quoi? Ben, moi, j'ai fait tant d'années pour le pouvoir, je ne vais pas redonner le pouvoir aux mêmes hommes qui étaient là. D'accord? C'est la politique d'Alpha. Et Alpha, il s'est fait entourer par des gens, bien sûr, qui ont gouverné la Guinée à un moment donné et qui savent comment maintenir les Guinéens, d'accord, sous leurs griffes. C'est ça le problème aujourd'hui en République de Guinée. Et vous savez, comme disait tout à l'heure M. Le King, moi je me dis souvent, comme d'ailleurs Ahmed Sékou Touré me dit, il dit que tout ce qui vit, vit de ce qui végète, et que ce qui végète, vit de ce qui a vécu et végété. La vie de tout ce qui existe est liée à l'eau, à l'air et à la terre. Bon, si nous prenons la Guinée en matière d'alimentation, en matière de nourriture, tout ça, mais moi la question que je me pose, moi je ne me pose pas la question au niveau de carburant, prix du carburant, tout ça, mais je me dis, quel est le produit que le Guinéen cultive en Guinée, récolte en Guinée, consomme en Guinée? Vous prenez aujourd'hui les denrées alimentaires en Guinée, qu'est-ce que nous consommons? Est-ce que c'est produit en Guinée? Est-ce que c'est produit de produits bruts en produits finis en Guinée? C'est là le problème. Même si on augmente le prix du carburant, mais le prix du carburant, c'est quoi? Le carburant, c'est vrai que le carburant n'est pas produit en Guinée, mais si nous avons des matières premières en Guinée, qu'on arrive à transformer nos matières premières de produits bruts en produits finis, je pense que le peuple peut se suffire à un moment donné. Mais oui, la Guinée, Monsieur Kanté, à ce niveau, quand vous dites que augmenter le prix du carburant, c'est quoi? Aujourd'hui, vous savez qu'un kilo de viande, c'est à 51 000 francs en Guinée. Maintenant, évidemment, vous connaissez le coût du transport. Et si on augmente le prix du carburant? Évidemment, c'est ça le problème. Alpha Condé veut remplir sa poche. Il ne remplit pas la caisse. Hein, quand il dit que la vie sera dure en Guinée, mais c'est une manière pour lui de récolter de l'argent. D'accord? Mais le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Vous savez, actuellement, il n'y a pas d'argent à la caisse. Il n'y a pas d'argent. Avec tout ce qui se passe, il n'y a pas d'argent. Et Alpha met toutes ces politiques-là en place pour que la Banque mondiale, les institutions financières internationales puissent l'aider. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, on donne de l'argent aux pays PPTE comme la Guinée, mais les élites, ils prennent l'argent, ils mettent dans les banques étrangères et le peuple est dans la souffrance. C'est ça le problème. Le cas de Ebola. Même si c'est vrai que Ebola est là, mais c'est une manière d'instrumentaliser les gens afin de récolter de l'argent. OK? Vous savez, l'exploitation des mines en Guinée avec ce problème de COVID, ça a diminué tout le fonctionnement de l'État. Alors, Alpha cherche de l'argent par toutes les manières. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 10 ans d'Alpha Condé, je me pose la question, les 10 ans d'Alpha Condé, avec les 60 millions de tonnes de bauxite exploitées par an, qu'est-ce qu'il a fait avec les bénéfices de cet argent-là? Les milliers de tonnes d'or exploitées par an en Sibérie et un peu partout en Guinée, qu'est-ce qu'ils font avec ça, avec SAG et tout ça? Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça-là? Je me pose la question. On a baillé l'aéroport, on a baillé le port. L'argent-là, qu'est-ce qu'on fait avec? La petite partie, c'est-à-dire la petite part qui revient à la Guinée, les 30% ou les 25% qui reviennent à la Guinée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne construit pas d'université, on ne construit pas d'hôpital, on ne construit pas de centre de santé à l'intérieur du pays. Mais quand Alpha Condé dit que la vie sera chère en Guinée, moi je me dis, mais vous ne faites qu'augmenter. La vie est déjà chère en Guinée. La Guinée est déjà chère. Mais ce qu'il faut savoir, ce que le peuple de Guinée doit savoir, c'est que Alpha Condé manque complètement de politique. La preuve, il va nous prendre un Congolais pour venir enseigner son gouvernement, la bonne gouvernance. Je me dis, mais M. Alpha Condé, vous chiez sur le peuple de Guinée. Au lieu d'aller prendre un Congolais qui souffre dans son pays, son peuple souffre de mal gouvernance. Il faut simplement prendre l'administrateur le plus qualifié de la République de Guinée pour enseigner la bonne gouvernance à ton gouvernement, en la personne de M. Sékou Touré. C'est tout simplement ça. Il y a des compétents en Guinée. Pourquoi aller prendre quelqu'un, lui donner des milliers de dollars? Parce que le monsieur, il n'est pas venu comme ça de lui-même. Il est payé cher. Tu viens, tu fais asseoir tout ton gouvernement, tu arrêtes un Congolais pour dispenser quoi?
Même si tu appelles monsieur Donald Trump, monsieur Barack Obama, monsieur Sarkozy, ou tu appelles l'économiste le plus chevronné de tout le monde entier pour venir enseigner en Guinée ou la bonne gouvernance, mais le problème, c'est vous, monsieur Alpha Condé. Tout ce que ce monsieur-là a dit est rentré par là, est sorti par là, est rentré par là dans la tête, dans les oreilles de Kassouri, est sorti par là. Donc, ça ne sert à rien de gaspiller de l'argent guinéen. Moi, j'aimerais simplement dire au peuple de Guinée que... En clair. Écoutez, oui, en clair, je voulais dire simplement au peuple de Guinée, en tant que nous continuons à être un peuple lâche, nous allons toujours souffrir. Et en tant que la division intestine continue de ronger le peuple de Guinée, nous allons toujours souffrir. Un peuple divisé est un peuple faible. Un peuple uni est un peuple fort. Et il faut comprendre cela. Et les gens qui sont en train aujourd'hui d'inciter M. Seydou Dalein Diallo d'avoir de plan B ou de plan ceci, je me dis, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Qu'est-ce que vous voulez que le monsieur fasse maintenant? Il demande la manifestation, vous ne sortez pas. Vous le traitez de violent. Il reste à la maison, vous dites que non, il est en manque de stratégie. Mais qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous non plus, vous n'avez plus de plan. Vous n'avez pas de plan. Vous n'avez pas de plan. Monsieur Seydou Dalein Diallo, c'est comme moi, Kanté, c'est comme toi, Tidiane, c'est comme Haji Le King. Et tous ceux qui supportent Monsieur Seydou Dalein Diallo, vous devez savoir que vous ne supportez pas la personne physique de Seydou. Vous supportez l'idée. Vous avez les mêmes idées. Donc, si vous vous sentez lésé par rapport à quelque chose, allez-y où bon vous semble. Alors, en un mot, j'aimerais simplement dire à toutes ces personnes qui nous suivent, merci beaucoup et partagez au maximum la vidéo. Le combat continue. Il faut que nous soyons constants dans la continuité. Comme eux, ils ont dit, changement dans la continuité qui est mal placé. Nous disons la constance dans la continuité parce que notre vie en dépend. La vie de la nation dépend de la politique. Donc, sur ce, je m'arrête. Merci beaucoup et nous allons soutenir la Seydou Dalein Diallo jusqu'à la victoire finale. Il faudrait que nous le voyons à Sékou Touréa, Inch'Allah, quel que soit le temps. Santé et longévité, tout ira bien. Merci. Et Bixoul. Oui. Bixoul, oui, qu'est-ce que tu as à dire? Le vieux dit que la vie sera chère et c'est ce qu'on appelle gouverner autrement. Maintenant, autrement aussi, qu'est-ce que toi tu as à dire? Ok, merci. Merci pour cette question. Vous savez, Andy Paul Lafoutaïna, il s'est dit qu'il n'y a pas de temps. Tu vois? Ça fait des années qu'on prévient, qu'on alerte. Nous, c'est notre rôle, alerter, 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 pour que la jeunesse puisse prendre conscience, pour que les gens se réveillent en Guinée. Voilà. Pour qu'on mette fin à ce régime d'Alpha Condé, on les a dit qu'ils ne sont pas bons pour les Guinéens tout court. Que tu sois Peul, que tu sois Malinké, que tu sois Soussou, que tu sois Forestier. Ce régime ne t'arrange pas. Parlant de la souffrance, ou bien bon, il dit, bon, la vie va devenir chère. Il y a longtemps, la vie est chère en Guinée. Depuis qu'il est là, bon, ça s'empire du jour au lendemain, mais c'était déjà cher. Il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts réellement en Guinée. Ça, on le sait, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Voilà, moi qui connais bien la Guinée, voilà, je suis resté en Guinée pendant des années, donc je sais, et j'ai fait le tour de la Guinée. Je suis allé dans toutes les régions. Vous pensez que les gens souffrent à Conakry, mais allez-y à l'intérieur du pays, dans certains coins. Les gens n'arrivent même pas, ils n'ont pas de quoi manger, ils vivent dans l'antiquité. Donc, on a alerté, on a dit aux gens, réveillez-vous. Réveillez-vous, vous dormez. Voici la voie à suivre. Suivant cette voie, libérons la Guinée de la souffrance. Ils ont croisé les bras, ils ont refusé, ils ont dit à la Haute-Agui. Ce qui est sûr, ça est entre vous. Donc là, ça est entre nous. En amont, t'as dit. La souffrance, les Guinéens vont souffrir d'abord. Voyez-vous, les Guinéens vont souffrir d'abord parce qu'ils n'ont pas accepté de se réveiller, ils n'ont pas accepté de comprendre. Et c'est la conséquence de cette incompréhension, de ce refus de comprendre la réelle situation et de se lever, de se donner la main comme un seul homme qui est en train d'arriver là. Tu vois, ça c'est le fumeux, il y a le feu qui arrive derrière, un feu de brousse. Les gens vont comprendre. Vous voyez, déjà, c'est évident qu'Alpha Condé, que le gouvernement ne fera rien pour les Guinéens. Ça, on l'a compris il y a longtemps, tu vois. Mais ce qui me fait mal, c'est quand je vois des jeunes qui se sont battus d'eux-mêmes, qui se sont débrouillés, qui se sont démerdés,
qui ont réalisé quelques trucs, des diplômés sans emploi, et puis des jeunes qui ont des métiers, qui n'ont pas trop d'aide, voilà, qui se débrouillent, qui ouvrent un petit coin pour se débrouiller, ou bien qui achètent un terrain quelque part pour la plupart des gens qui sont sortis à l'aventure, qui ont cherché. Réaliser des choses, tu vois. Maintenant, bon, non seulement l'État ne fait rien pour eux, mais l'État détruit. L'État vient détruire, c'est-à-dire pour aggraver leur situation. Maintenant, cette jeunesse, après destruction de leur avenir en Guinée, sort aussi pour se chercher ailleurs. Voilà, il y a des gens qui prennent le désert, il y a des gens qui prennent la mer, qui arrivent ici en Europe ou dans d'autres pays pour se démerder, pour se chercher. Maintenant, c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a le gouvernement guinéen qui vient chercher les gens aussi en Europe. Tu vois, en fait, tu fuis cette misère, cette merde en Guinée. Maintenant, ils viennent te chercher pour te dire qu'ils sont dans notre sang. Ils sont décidés d'anéantir le rêve de la jeunesse guinéenne. Tu vois. Mais bon, on ne va pas se fatiguer. On va toujours dire à la jeunesse guinéenne de se réveiller. C'est ce qui est plus important. Parce que c'est si la jeunesse comprend que les choses vont changer pour de vrai. Tant que la jeunesse, tout le monde n'a pas compris, c'est-à-dire ce qui se passe réellement, n'ont pas compris que ce gouvernement qui est en place, Alpha Condé, n'est pas bon pour eux, c'est là les choses vont bouger. Aujourd'hui, on voit, quand je vois Oudi Premier pleurer, parce que bon, ils ont détruit son studio. Oudi Premier n'a pas le droit de pleurer aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, tu vois. Parce que je me rappelle, Oudi Premier a battu campagne ici pour Alpha Condé quand il a décidé de faire son troisième mandat. Et nous, on est sorti, on a dit, mon frère, moi, je le connais, c'est mon grand. Je le connais dans la vraie vie, tu vois. Je lui ai dit, grand, ah, ça là, c'est un mauvais truc, hein, tu vois. Maintenant, quand les gens décidaient de manifester, je me rappelle bien, Oudi Premier avait dit aux gens de ne pas manifester contre le régime, que ce n'est pas la solution. Maintenant, bon, s'ils viennent détruire, ils gouvernent autrement, ils tombent sur lui son truc, il n'a pas à se plaindre, il n'a pas à pleurer. C'est la conséquence de ce qu'il a semé. Qui sème le vent récolte la tempête. En fait, il sème ce qu'il a récolté, un point. Et beaucoup de gens vont récolter ce qu'ils ont semé en Guinée. Parce que bon, si on remarque, ceux qui soutiennent Alpha Condé, tu ne soutiens pas Alpha Condé, tu souffres au même pied d'égalité que l'autre Guinéen qui est là-bas. Les gens qui souffrent le plus, même, je vais vous dire, c'est ceux-mêmes qui soutiennent Alpha Condé. Regardez Tokounou, par exemple. Ceux qui sont dans, ils sont au fin fond des villages, ils n'ont même pas de quoi manger. Mais c'est eux qui disent, voilà, on le laisse terminer son travail. Donc, ce côté, ça ne m'étonne pas si Alpha Condé décide d'endurcir et puis d'augmenter les prix en Guinée. Voilà, c'est sa logique. C'est ça on appelle gouverner autrement, tu vois. C'est ça on appelle gouverner autrement. Gouverner autrement, c'est faire souffrir les Guinéens. Mais je lance un appel à l'endroit de toute la jeunesse. Encore une fois de plus, on ne va pas se fatiguer. Réveillez-vous, vous dormez. Vous êtes dans un sommeil très, très profond. Tant que la jeunesse ne va pas se réveiller, les choses ne vont pas bouger. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup, vu qu'on est pris presque par le temps. Et on va passer vite à l'enfant de Kania, le grand défenseur de la Soudal Ngalo, et Paye Koussare se prépare pour clôturer. Voilà, Fassouma viendra juste, c'est le moins des femmes, elle aura juste un mot et pour fermer porte et fenêtre de ce débat. Oui, l'enfant de Kania. Oui, je suis là. Hein. L'enfant de Kania, dis-nous, Selou a gagné l'élection avec 53,84%. Alpha, la Cour constitutionnelle a saigné aux yeux au banditisme pour l'arracher par la complicité des hommes habillés en tenue. Et aujourd'hui, la souffrance, tous les Guinéens sont en train de payer ce prix-là. Est-ce que si c'est celui qui était à la place d'Alpha, la situation allait être ainsi? Cet homme dédié, cet homme qui aime son pays et qui maîtrise bien la Guinée. Merci pour la question, M. Tidiane. D'abord, je regrette fort pour le peuple de Guinée en voyant le peuple sénégalais aujourd'hui. Comme ce qui s'est passé aussi au Mali, on a vu le peuple malien qui s'est levé pour dire que Ibeka doit partir. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes là devant ce peuple, on est en train de voir ce peuple, ces populations guinéennes qui sont en train de souffrir. On dirait que réellement, elles ne pouvaient pas chercher Alpha Condé. Donc, ces populations pouvaient chercher Alpha Condé. Les Guinéens doivent savoir une chose. Aujourd'hui, c'est Selou Dalein Diallo. Tous les opérateurs économiques sont derrière Selou Dalein Diallo. Je vais juste mentionner un petit passage. Au Sénégal aujourd'hui, les Guinéens, la diaspora guinéenne qui vit aujourd'hui au Sénégal, chaque année, plus de 50 milliards francs CFA rentrent dans la caisse de l'État sénégalais. En Guinée-Bissau, ici, le commerce est monopolisé par la communauté guinéenne.
partout, c'est que toute la sous-région. Maintenant, les Guinéens doivent comprendre, une chose. Les opérateurs, c'est Loudalé Ndiallo. Une fois, c'est Loudalé Ndiallo. Si c'est Loudalé Ndiallo qui contrôlait la Guinée aujourd'hui, tous ces milliers, tous ces millions de milliardaires vont rentrer en Guinée et investir en Guinée. On aura des entreprises en Guinée. Ces entreprises-là, on ne va pas dire tel est sous-sous, tel est peu, tel est malégué. Non, il faut que les gens des soucis, mais toto on a des wombir c'est que on a soleri ma quelque on a soleri ma ça doit on tu gidera parce que de dire aujourd'hui un peuple ne doit pas être présent en Guinée, c'est pas réellement l'ethnie qu'on doit regarder, c'est qu'on doit regarder la seule chose, la seule chose aujourd'hui, c'est la capacité, la compétence de la personne de celle Loudalé Ndiallo. C'est Loudalé Ndiallo qu'on doit regarder. Donc les Guinéens qui ont voté pour celle Loudalé Ndiallo, c'est ces mêmes Guinéens qui doivent manifester pour que réellement la victoire soit restituée à Loudalé Ndiallo. Ça, c'est un. De deux, les militants de l'UFDG doivent savoir. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. On a vu ça. Donc, ils ont voulu le libérer pour dire qu'il peut sortir. Il a dit tant que l'apartheid est en Afrique du Sud, il ne peut pas sortir. Il faut d'abord l'égalité. On a vu ça. Aujourd'hui, le même cas s'est produit en Ouganda, Bobby Wine. Aujourd'hui, il y a le dictateur de 76 ans qui est là-bas. Bobby Wine, un jeune rappeur, un jeune qui est soutenu par la majorité écrasante par le peuple ougandais. Nous sommes dans la même situation, mais je veux que les militants de Bobby Wine soient toujours motivés. Pourquoi pas réellement nos militants aussi ne peuvent pas continuer sur ce chemin? Je sais, ils sont déterminés, mais c'est ce que les Soussous disent. Dans les milliers de Bokio qui n'ont pas fui de sa main. Donc, Morlaï, et puis à ce niveau, ce qui me fait mal, c'est quand je vois des militants dire c'est lui ne fait rien, c'est lui, il est assis, il est comme ça. Pourtant, si c'est lui dit sortez, ils vont à Madina, sortez, ils vont dans les bureaux, sortez, ils ont leur taxi, sortez, ils ont leur moto. Je ne comprends pas. Hein? Mais c'est lui, c'est la population là, c'est pas lui, c'est pas sa personne. Oui, je te suis. Allô, ta connexion. C'est le tenimam, parce que nous, on a entendu tout ça. Le tenimam ne peut pas faire la politique. Ces militants-là, ou bien ces Guinéens-là, peuvent me dire que réellement, quel est le parti politique de l'opposition, même parti de l'opposition, depuis l'indépendance de la Guinée, qui a eu plus de 37 députés au Parlement. Condé a passé tout son temps. Il a passé plus de 40 ans, il cherche le pouvoir. Ces militants ont été patients. Pourquoi nous, on ne peut pas c'est réellement être patient et constance dans l'engagement, la transhumance politique ou la transhumance. Ça ne peut même pas faire avancer le pays. Il y a plus forte raison de dire que voilà, la politique guinéenne. Aujourd'hui, si on ne met pas Alpha Condé dehors, nous sommes foutus, le peuple de Guinée. Okay. Donc aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est en train de souffrir. Je dis une fois encore aux Guinéens. Comprenez que les milliardaires, les millions, ces millions de Guinéens qui soutiennent ces Loudalé Ndiallo aujourd'hui, ces milliardaires qui sont derrière ces Loudalé Ndiallo, qui veulent investir en Guinée aujourd'hui. Les Guinéens doivent ouvrir les yeux, regarder ces milliardaires, pas ces Loudalé Ndiallo, hein, ces milliardaires qui sont derrière ces Loudalé Ndiallo, ces milliardaires qui se disent qu'une fois ces Loudalé Ndiallo au pouvoir, ils vont investir en Guinée. Nous avons le commerce dans les mains de ces Loudalé Ndiallo, ces commerçants sont derrière ces Loudalé Ndiallo. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Okay. Aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, vous venez à Bissau ici. C'est les Guinéens, c'est les militants de l'UFDG qui sont là. C'est les militants de l'UFDG qui détiennent l'économie de ce pays où je suis. Mais si va en Sierra Leone. Va en Sierra Leone aussi pour voir. Va en Sierra Leone. Dans tous ces pays. Maintenant, la Guinée, nous, en tant que Guinée, nous sommes en train de souffrir. Les Guinéens sont Permettez-moi juste de dire deux mots par rapport à cela, s'il vous plaît. Allô? Oui? Permettez-moi justement de dire deux mots par rapport à cela. C'est que les gens qui disent que quand Sylvie sera président en Guinée, tous les peuples de l'Afrique viendront en Guinée, ces gens-là, ils parlent en parfaite ignorance. Parce que qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui la force des États-Unis? C'est le nombre de personnes qui rentrent aux États-Unis, qui travaillent et qui payent les taxes. Plus il y a de monde dans un pays organisé,
plus il y a de l'emploi, plus il y a de travailleurs, et plus on paye les taxes, plus l'argent entre dans la caisse de l'État. Quand vous monsieur regardez... Fama, monsieur Fama, je suis un petit oui. Mamadou ici, mais cette année, je dois payer 4 000 $ ici comme taxe. Un voilà. Petit Mamadou. Petit voilà. Mamadou. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Plus il y a du monde dans le pays, dans un pays organisé, plus il y a d'emplois et plus on paye les taxes, plus l'argent entre dans la caisse de l'État. Vous pensez que la femme qui vend le riz, par exemple, quelque part à Madina, plus il y a du monde à Madina, plus on va acheter son riz? Exactement. Et plus, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vois les gens parler en parfaite ignorance, moi, ça me fait mal. Quand on dit que les peuls de l'Afrique... Moi, je veux que tous les peuls de l'Afrique viennent en Guinée. Tous les peuls. Okay. Tous les peuples du monde entier viennent en Guinée. Parce que ça va créer quoi? Ça va créer de l'emploi. Ça va donner de l'argent à l'État guinéen. C'est ce que les gens nous comprennent. Nous sommes dans un monde d'économie. Sans l'argent, on ne peut absolument rien faire, les gars. Ok. Merci, Monsieur Fama. Monsieur Morla, clôturez pour nous. On va passer à Paye Koussaré. Voilà, je vais juste ajouter, par exemple, le cas du Sénégal. C'est 50 milliards de francs CFA que j'ai signalé là. Si vous prenez ces 50 milliards francs CFA, c'est combien de 1000 milliards francs guinéens? Ça va créer combien d'emplois? Et Alpha Condé, lui, pendant ses élections au Niger, il a pris les 5 millions d'euros au lieu d'investir ou au lieu de construire des écoles, des dispensaires ou des hôpitaux pour nous. Il a envoyé ça au Niger pour soutenir le principal opposant au régime de Mohamed Issoufou. Mais c'est que les Guinéens, franchement, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous sommes responsables et les Guinéens doivent assumer leurs responsabilités. C'est à travers eux aujourd'hui, Alpha Condé ose de traiter tous les Guinéens de tortues. Mais lui, les Guinéens, s'il est Guinéen, ça veut dire que c'est lui le patron des tortues. Exactement, oui, mais parfois je lui donne raison. Si vous voyez aujourd'hui Alpha Condé, il ose dire ça aux Guinéens, c'est parce que les Guinéens ont accepté ça. Alpha Condé, aucun Guinéen n'a voté pour lui pendant ces élections de 2020. Maintenant, les Guinéens, les surtout qui ont voté pour Selou Dalein Diallo, ces sous-là, ils sont aujourd'hui. Mes parents, ils sont où? De dire que ouais, moi, je vais voter, je ne vais pas réellement défendre ma voix. Hey, aujourd'hui, c'est tous les Guinéens qui sont en train de souffrir. Moi, chaque matin, midi et soir, on m'insulte pour dire je ne sais quoi, que je suis là réellement à diviser les Guinéens. Je ne vais jamais diviser les Guinéens. Moi, je suis, biologiquement, je suis symbiosé, je suis cosmopolite. Donc, j'ai une famille malinque, j'ai une famille forestière, j'ai une famille, ma femme est peul et moi, je suis sous. Donc, les Guinéens doivent comprendre. Seuls les peuples ne peuvent pas réellement défendre l'intérêt de toute la Guinée, surtout devant réellement et une milice bien armée. Alpha Condé a pris 300 militaires de forces spéciales qui sont là aujourd'hui à diriger réellement toute une armée. Aujourd'hui, le fils de Kounti Guibé, là, c'est Ouna Souma, est décédé, Aboubakar Souma. Ce matin, je parlais avec le Kounti Guibé de la base Guinée, là, c'est Ouna Souma. Il m'a informé de ça. Même la mort de son fils, réellement, il y a tellement de doutes dedans. Je l'ai dit carrément, j'ai dit Kountigui, vu votre position concernant, surtout votre position au troisième mandat d'Alpha Condé, réellement votre fils n'est pas bienvenu dans l'armée guinéenne. Ils vont le tuer. Et je sais, il a été tué, il a été empoisonné. Sa maladie réellement les a surpris et son décès. Aujourd'hui, son corps est au Sénégal. Et même là-bas aussi, il est abandonné. L'ambassade de Guinée n'a rien fait. C'est moi qui ai appelé le secrétaire fédéral de l'UFDG de Dakar. Je les ai mis en contact. Donc, les Guinéens doivent comprendre, nous allons tous payer ça. Il faut qu'on oublie l'ethnocentrisme de dire que c'est Ouna Souma qui est peur. Que son âme repose en paix. Merci vraiment, amen. L'enfant de Kania pour cette merci beaucoup. Sortie. Ouais. Et on va passer à Paye Koussaré. Voilà, Paye Koussaré, oui, qu'on nous marre d'accord, et autant donc, haray, do, faïda, ça y en nangui en faïda, qu'on a, mais il y a, l'oumano donc, et fio à faire carburant. Maudo wo yo gine me ben prepare sonja on parce que wo gouverner autrement ko so sonja on baydoto bayro si duma on feyi ono wo si korka kan feyi mi anda ron bawo ni wo o duma lu karem mi anda say ko anini ni chrétien be no fetu de wo si no feyi o beyda pri carburant yo no si beyda carburant beydike yette bari de ngala e budde choggu kilo hun tew duma 51000 francs guinéen kilo hun andisi essence be dikedo mi anda kono be ketro yata on jarama fop mo e participe be organiser pa hiru a weru Alpha Condé yon day en Guinée en fou
ko atikon lakne imbe koma aleki yawde be wona peuple libre pa on parle la Guinée den colonisa depuis Alpha Condé lami ko tempere Guinée ha ande Guinée ngay nal alhamdulillah depuis Alpha Condé ari ka pouvoir ko finkari o lamori o jodori finkari wonno be 2010 en Guinée no andi de ñande ari be wara konungu kon Allah kiti ndiyangi hen bu fop no andi balde tati no fellude Alpha Condé no warde Guinée be me donc Alpha Condé o tampina Guinée Guinée tampay baaw makko sabuna Guinée be buino ton ko jokkube tama jala ayle si goddo jokki tama jala o nisi tay mbudi wana avenir laamu Guinée argum kon fo ko souvenir be acci be accanali jeneson avenir donc Guinée be ben no doa mi jitaade be wona soude be anda goto gaynata kono non ay tum fo rewi enen kay den doa rewde be anda ko non gaynata min taw ko min nata fulbe ben fu parce que moi mes messages surtout s'adresse à tous les Guinéens mais surtout la communauté pul et ande fulbe ben no doa accugol ya hayir tito sabuna nyande enen fo wonde déterminé en gaynay senga sana na do fonena si kare kare tawa kay la mota ko to pet no organiser concert ya o jetta bodde garde ara be wada concert on be lande mo kala en do arki so mun ko ya donc ara yande ko mi torto ginembe ben fu o wonu gol bawo sellu dalen ay ko kanko gagni Alpha Condé o wada ni en pidji fu en ronko do bi sappo mo wadde promesse hani fu so wada ande yiri sama kala di makudi ya gole biroji de wandi no fermu no dubi dubi na tawal to ministère o ya ali tongo tay kari ka du foko e penale dia donc torde jamaa raybe andu Alpha Condé no addan de Guinée en tempere de on tampalian hikka on judali bantara jakku don kono ko ani mu judo ton bantara jakko on harana du faade ka woru sabuna tempere Guinée en hebaydu yela ko jobanu en tori ke changement Allah di andi changement on ko piji didi ko changement tempere wala ko changement ettare Guinée non ko sanze man to de wido yalla sanzangi en yina tayo yalla sanzangi en kamoddo donc si yalla sanzaile ko ma sanzen ko mo ikon to wonno sanza ta ginom nyando nyande arme on no wadi dum mi penale no tegidira do anki be wi o fabu kamara o sedia o no portani mo plainte bo fi a arrestation arbitraire on to chondi ko kayni on woni dun de ina be wari imbe be yalla wol de fi on trafic de drogue ayle Alpha Condé o desu duno ko ma kan ala butta ande be ngala won defi dum o addani en ebola o addani en corona mo addande ka di vaccin di waray komi toroto non population guinéen no andir don non e ko tirabe ando wonbe wolude fi mbudi ala ka kesse ko gonga ma mbudi ala to me ko onno non gerdo to ngando mbudi ala ton hare kala kala mungun inyo itu norm e joddi ande ko fenande ko non andita tay sigam ko en gol yon yop mbudi fi fi yo mo en carte d'identité biométrique o penal inno gol yimbe wonbe ka le de janani yo moddin e passeport biométrique kala ka woni do ko reveni etat si dun non kadi marsali e wada na yon taxi kadi jan wanon e mi ala non kadi ka yalta tanini ni ka woni ne te ka assemblée wanande si da sodi terrain be jattal den na yoba na mo lewru kala darnu da darnu ko ma yoba donc dun non kay no ardi kala darnu do sudu la bande be ara den na yoba na ko inete kon normo e pidji fa harale dum meda wadde la Guinée donc non kay pour l'état Alpha Condé o rewa e rewetede den fo on jaggoy ara non ta Guinée fo yalta tarana selu dalen noddi harana anti jalla puissance e ge won garde ge nge be dugol transport on kay nem munni ko be natta ton ka mefa andi ko be ta kon ka mefa ko do woni arande Guinée be ben hege tampinaange parce que sandari do ande say beina lagine e lagine fo ko gotum lagine tampere den fo ilana fo wobbe yarali fo de caria mede ngandi entre fo de caria konakri ko nyamete kondo kondo ko nyamete kon kadi mamun no serte entre fo de caria konakri say wi do no ittimamun kadi anata dabola nyire ndia fo no andi ko mi won ko wolude ko kolal donc tampere wonde arande lagine be pullo wulay ko komi hali min nani etnode kono non ka Amerika fala no gonga ko kumbe jogino kum memmi ni do be wada po sai black african yawoto kala mum yidi parce que enen en wada may de yes wabbe be yes may de fay goto yawaki be donc so yi e hande hegengen no tampini Guinée be ben hegengen hewtali ka duwa ton kono non ko ton fokkiti
hari ko population on sondari boy ko pullo futa futa bonnanede dubi sappo idem bonnanede edi me manditi e fine tawi amen kadi men tay fulbe futa ben no bonnanede ande non de ndaru de ko banki tombolonji wobbe wonadi ben e yi reaction ji mabbe de banki tombolonji donc en dermu fulbe ben no do won de prida on be wonirta prida andu gol e ande si pay ko sare bonnanama ko pullo fu doa hebude on problem parce que ko sitawi e wawi yidindirde wawi golludude kono sa yida nala midanama en wawa ta wonde hunde wotere ko mi toroto ginembe men fo alpha konde ko lorame dubi sappo mo tonude dubi sappo mo fenande wana lekol wana ndiyan wana kudan ande so ni tokun tokunono nisiti tokunono fesa gondi gondi ko alla tungandi feeling andi si ganyo ma wulli e ora taw inna mitubi walla kono sai ganyomano ani ko andirta welado ko tumo ngabi sundu lawati fesude tawale du wana ngore wana piga ko hege redu donc tokuno no wela hege fiondo do be no nisiti ko sabu hondum be wadirno den togni malgré tout e imbe ben no darude tawano yurmi yurma ay sandari togni wela ala ko buri satande ginen jo fendo do sinako pullo futa tenya ko yimbe wara tawata kadi full be threat be hino wodi andi dawande ande na politics pro sare ayi no hande wono konkon ande don ayi hande fayda fop no wada de pidju goti din ko andirta lamu gum ko lamu hudango parce ayi hande wono soso manen ka fono lanchanede donc ko dun andirta ginen no duwa jonnindirde juude no alfa kon wala ni be goy andi ko gine woni na mi anda si be nanta porto ko dum mi fala yo wadu video di monde nge soso e maninka alfa inni ala nene got ala baba got ala gi wonene makko e babbe makko ko lagine dum non ko entre kam e leji woni mala nene bab o yurme ma on kono lan fala yo be blogger be soso be andi leji din fo sellu dale wana ganyo lenyol hay gotol mi la way on detno mi tampa min nande kadi mi da soso do kono wanande perde selu dalen jogiti e anda sadari e big soul mi da video di makko moja mi do mo mi mo yaltina do maccudo life ju holo holo souteno do non alpha conde mi dari mi taise bien fait et j'ai apprécié j'ai partagé kono don andi afriko do ki be mari system got beno sikude ko pullo hadi afriki heto eke les afrique toto comment foule be bentawe moi je vais te dire ko pullo futa motimbi madina woni directeur banque islamique do Dakar ndar mo sita no on suma I don't handi telling afrique do foka goudron jiwada ara ko im banque ki okatambuni min ko dum la son woli do inde milliardi ko morla si la woldo commerce sangine no nadude alpha conde no way hande wale do fatto parce que alpha conde mentalement ko ko il aime trop l'argent. Donc, okay. Moi, ce que je vais dire, ce n'est pas le moment de dire que la Guinée doit être... Donc, la Guinée, c'est outil qu'il faut andata, on doit être unis par la force. C'est la meilleure solution. Et c'est l'union qui fait la force. Donc, c'est l'Oudanen et Oyanata. Inch'Allah. Oyanata Aduna. Inch'Allah. Et donc, il part avec ça, il a gagné. Et ensemble, Allah Taouno, Kadi, moi, j'ai la Guinée. Kono koto. Et moi, ben, wozen mi nando mo be gonno yow tabe wi wonde lagine no develop wana generation 1996 ko generation 2010 a 2020 alla urno bi be ma be barkina en tawete e jettay be kum be bondire lagine parce que ça ta feuti ko noyan ta feuti ko lagine ga menen do jama fop pakune alla sandari lagine lendi plantique mo kala no fala ko ya yeah John, hono pay ko sare dernier moment on jonnen sonnajo men on e sonnajo do hala bay ko lewru sonna ben anin minute o fermanay bayare nge titan jano awalla dande lora alfa ka allahumma amina allahumma amin tamitoro ok merci le big merci à tous les gars attends tijan je vais justement okay. Dire un mot oui la il y a Fasma qui doit. Je sais, je dis juste un mot. Je dis juste un mot très important. Okay, j'aimerais dire à tout le monde que quand on parle de Selou, ce n'est pas parce que c'est un homme parfait. Non.
On ne dit pas que quand il sera président en Guinée, au bout de 10 ans, la Guinée sera comme les États-Unis. Non. Mais il faut que les Guinéens sachent que c'est le président. Pourquoi on le réclame? C'est parce qu'il a des idées qui correspondent réellement aux ambitions du peuple de Guinée, à savoir une administration forte, la justice, les infrastructures. Le simple fait de mettre les bases pour que c'est lui qui le succédera puisse travailler dans le même sens, c'est déjà beaucoup. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Pour ne pas que demain ou après-demain, il devienne président de la République de Guinée, on dit non, on nous a tout promis, on nous a tout promis, il n'a rien fait. Non, il n'est pas un homme parfait. On ne parle pas de lui parce qu'on est en train de faire son apologie. Non, ce n'est pas dans ce sens. Okay, on dit juste la vérité et pour que les gens comprennent. Ok, merci. Merci, M. Fama. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci Big Soul. Ok, merci à vous tous. Merci, je remercie ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui ont participé. Monsieur Morlaï, Djibril Hadji, respect, big up, Papa Konsare, on est ensemble. Fasma, merci Morlaï. Vous, M. Tidiane, merci d'avoir organisé ce débat. J'espère que la jeunesse guinéenne va se réveiller enfin, parce qu'il n'est pas tard. Il faut que les gens se réveillent pour qu'ils comprennent. Sinon, on n'ira pas de moi. On est ensemble. Merci, Papa Konsare, merci. Merci, bonsoir. Awa benne wo womo nangay biti on tigina boray jolol de aray de fokiti ko woddi e kono mi yata o granjo mo linetije o mo bennata manja sidibe je vois son ami ici mais pourquoi non manja merde do manja c'est mon papa, je l'appelle comme ça parce que quand on nos parents on mariage donc merci Père Koussare et merci monsieur Fama Kanté. Merci beaucoup. Merci. Asilo King, merci à toi. Oui, merci Tidiane, merci à tous. Merci. Moi, je suis déjà dans le... Asilo King, tu fais quoi dans le noir? Aji, tu fais quoi dans le noir? Hein? Il avait sa femme. Je suis fatigué. Il est marié, il avait sa femme, laissez-le tranquille. Merci, l'enfant de Kania. Je vois que l'enfant de Kania n'est pas là. Et maintenant, nous allons clôturer en deux mots. Et c'est notre sœur qui va fermer porte et fenêtre de ce débat. Il s'agit de Fasma. Et avant de donner la parole à Fasma, il faut rappeler que les femmes ont fêté dans la tristesse cette fête du 8 mars, c'est-à-dire hier, lundi. Imaginez, en 2020 seulement, plus de 370 jeunes filles mineures violées en République de Guinée. C'est un crime, aucun jugement. Et du moins des envies. En maintenant là, nous sommes au début du mois de mars. En deux mois seulement, il y a 107 filles guinéennes violées. Wow. Sans aucune justice. C'est très grave. Et dans les 107, notez bien, plus de 70 ne sont que des filles mineures, c'est-à-dire des enfants qui n'ont même pas atteint les 18 ans, de 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est triste. Fasma, tu vas clôturer pour nous. N'oublie pas aussi celles qui ont perdu la vie dans le désert en traversant le désert. Celles qui ont perdu la vie dans la Méditerranée. Oui, ok. Merci, M. Fama. On ne les oublie pas. Tous ceux qui sont dans le désert, qui sont en train de traverser, qui sont bloqués au Maroc, en Algérie, en Tunisie, nous pensons à vous. Nous prions Dieu que vous puissiez traverser parce que la Guinée devient la merde pour pouvoir au moins supporter vos familles et vos amis au pays. Et ceux qui sont en Guinée, courage et croyez-nous que nous allons mener ce combat pour libérer notre beau pays. Fasma, nous te laissons le dernier mot. Tu vas clôturer après toi. Personne d'autre ne va parler. Je vais mettre un son pour Ella Sebdalen Diallo. Voilà, et fermez maintenant ce débat. Merci. Ok, d'abord, je tiens à te féliciter pour cette belle organisation que tu as su mettre en place tout en invitant ces guerriers qui sont là aujourd'hui présents. Je ne peux pas citer le nom de tout un chacun, mais tout le monde a vu ces guerriers aujourd'hui qui sont prêts à tout pour défendre la liberté, la justice et surtout libérer le pays de cette injustice dont nous trouvons. Et je tiens surtout à inviter les femmes guinéennes. Hier, c'était la fête internationale des droits des femmes. Mais aujourd'hui, nous savons toutes et tous que la femme guinéenne n'est pas libre. Si elle n'est pas opprimée parce que son mari est emprisonné, son enfant est assassiné ou torturé, voire même tué ou même emprisonné. Si ce n'est pas son enfant, c'est son mari. Si ce n'est pas son mari, c'est son petit-enfant. Si ce n'est pas son petit-enfant, c'est son neveu ou sa nièce.
dans 2 mois seulement, il y a plus de 107 filles, de jeunes filles aujourd'hui violées, violentées par un groupe qu'on ne peut même pas dire qui sont parce que nous savons toutes et tous, c'est le gouvernement. Pourquoi je dis bien c'est le gouvernement? Parce qu'on ne retrouve jamais ces criminels. Quand c'est ces personnes qui sont censées de retrouver les coupables, ce sont eux-mêmes les coupables, il est impossible de retrouver les coupables. Alors, femme de Guinée, réveille-toi pendant qu'il est temps. Réveille-toi pour libérer ton peuple. Réveille-toi pour libérer tes enfants. Réveille-toi pour libérer ta nation. Tu ne te lèves pas pour ces loups d'Alenkal. Tu ne te lèves pas pour un soussou. Tu ne te lèves pas pour un malinqué. Tu ne te lèves pas pour un forestier. Tu ne te lèves pas pour un peul. Mais tu te lèves pour tes droits. Tu te lèves pour la lumière et la justice de ton peuple. Surtout pendant et sachant qu'il y a 37 ministres, 37 clans, 37 bandits, 37 délinquants autour d'une table pour parler et décider de quoi demain toi tu vas vivre. Femme, réveille-toi, tu es la mère de cette nation. Alpha Condé croit plus fort, mais il n'est pas fort plus que moi, Fasma, étant une femme, je l'ai mise au monde. Il n'est pas fort plus que les femmes guinéennes, étant une femme, nous l'avons mise au monde. Alpha Condé, il est temps que tu libères ce pays. Si tu ne le libères pas, nous, femmes guinéennes, on te maudit. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as torturés, tu nous as violentés, tu nous as humiliés, tu nous as rendus malades, tu nous as anéantis à terre. Nous te maudissons parce qu'on veut la liberté. Nous te maudissons parce qu'on veut que nos enfants vont à l'école. Nous te maudissons parce qu'on ne veut plus qu'il existe Ebola ou coronavirus ou n'importe quelle maladie que toi-même tu as inventée dans notre pays pour remplir ce que tu as envie de remplir et payer tes dettes. Alors, je ne vais pas beaucoup politiser, je vais juste une fois de plus appeler les femmes guinéennes. Réveille-toi pendant qu'il est temps pour défendre tes droits et défendre la justice avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Merci, 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 merci.